Il me semble clair, Monsieur le Président, que le stress que les événements d'aujourd'hui ont généré vous a submergé. Un engin nucléaire a explosé aujourd'hui sur le territoire américain. Nous savons à l'évidence quels sont les pays responsables. Nous savons aussi à quel groupe terroriste ils l'ont commandité. La preuve qui permet d'incriminer ces pays n'est justement pas claire, Monsieur Prescott. Loin de là. L'enregistrement de Chypre a été authentifié par tous les services de renseignement de manière indépendante. Et j'ai des raisons de penser que ces services ont commis une erreur. Sur les dires d'un seul agent de la cellule antiterroriste, Jack Bauer. Oui. Monsieur Bauer pense que l'enregistrement de Chypre a été falsifié. Il pense aussi en fournir bientôt la preuve. Il l'a promis depuis des heures, Monsieur le Président. Et vous n'avez toujours pas cette preuve. Si les frappes militaires n'ont pas lieu immédiatement, les pertes parmi les soldats américains augmenteront de plusieurs dizaines de milliers. Cette analyse n'est pas contestable. Déclarer la guerre à des pays innocents est inacceptable. Nous avons besoin de certitudes. Tout le monde en est convaincu, Monsieur le Président. Tout le monde sauf vous. En l'occurrence, c'est ma parole qui compte. Cette réunion est terminée. Monsieur le Président, d'une manière ou d'une autre, nous allons procéder à un vote. Vous devriez vous exprimer avant que ce vote n'ait lieu. Il s'agit d'une décision politique que vous désapprouvez. Vous n'avez pas le droit d'invoquer le 25e amendement et une prétendue incapacité parce que vous refusez ma politique. Monsieur le Président, je suis d'accord. Mon intention est de montrer que votre comportement est déconcertant et irrationnel depuis le début de cette crise. En considérant les choses sous cet angle, votre refus d'engager des opérations militaires est un des symptômes de plus de votre incapacité. Écoutez-moi. Écoutez tous. Bien que nous ne soyons pas dans la même pièce, vous me voyez et vous m'entendez distinctement. Regardez bien. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Est-ce que je semble nerveux? Est-ce que je transpire? Est-ce que je bafouille? Est-ce que je cherche mes mots? Est-ce que ma voix tremble quand je vous parle? Un seul d'entre vous peut-il me dire dans les yeux que je suis inapte? Monsieur le Président, le problème n'est pas votre conduite depuis quelques minutes, mais vos actes pendant ces dernières 20 heures. Monsieur le Président, le vice-président a soulevé d'importantes questions et à mon avis, ce serait une erreur de les ignorer. Maintenant, en ce qui me concerne, je suis totalement persuadé que si vous nous expliquez votre position avec la franchise et la clarté qui vous caractérisent, bien des points seront résolus à la satisfaction de tous. Monsieur Prescott, il semblerait que le sentiment général soit une volonté de discussion, afin qu'on en finisse. J'accepte. À une condition. À l'issue de tout cela, si on me soutient, vous donnerez votre démission de la vice-présidence de notre pays. Très bien, Monsieur le Président. J'accepte. Je propose que nous prenions quelques minutes pour mettre de l'ordre dans nos pensées et nous entamerons la procédure. Ne jouez pas sur les mots, monsieur le secrétaire. Dites plutôt le procès de David Palmer.